venir demander au curé de débloquer leur situation. C'est sérieux ce que je dis. Voilà. Et nous-mêmes qui sommes à côté, très souvent quand le trésor a brûlé le toit, fais pas attention à ça. Voilà. Donc, j'étais dans une situation compliquée. J'ai parti en Israël et demandé permission. On dit, tu ne vas pas. Je vais voir Père Curé. Je dis, Père Curé, tu as les solutions. Tu as les solutions, tu as les clés. Développe ma situation. Et avec un petit coup de fil, j'ai pu réaliser mon rêve qui était d'aller en pèlerinage en Israël. Donc, Père Curé, vraiment merci pour ça. Je voudrais vous remercier également Père Ahmed, le doyen de la communauté. Voilà. Quand on dit quelque chose à la messe, on dit appétit, c'est pas comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. La démission n'est plus attentive. Au Père Zia, je donne des conseils. Petit frère, c'est pas comme ça. Petit frère. Voilà. En tout cas, j'ai une communauté de prêtres assez magnifique qui m'aide à pouvoir grandir. Je suis le plus jeune. Donc, j'ai besoin de vos conseils, à vous tous, paroissiens. J'ai besoin de vos prières aussi. Parce que être prêtre, c'est beau, c'est bien, mais il y a des difficultés qui sont en bas. Le prêtre ne montre pas ces difficultés aux gens. Je pense que si vous avez l'habitude de prier pour les prêtres et de les côtoyer, vous saurez que ce n'est pas forcément facile. Mais grâce à vos prières, on pourra y arriver. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse. Le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ. Nous demandons à tous ceux de la main de 9h de sortir par le côté sud, pour que ceux qui arrivent à 11h entrent par le côté nord. Merci. Yeah, man.